Dès qu'on produit dans le pays, il y a 2000 tonnes d'urée pour tout le pays net. Je dis, on prend décision pour le produire 20 000 tonnes. Ça veut dire, plein de bec là pour le gagner 3 000 tonnes de semences pour contenir. Pour le gagner 12 000 tonnes pour Artibonite, pour le gagner 5 000 tonnes pour Maribaou. Ça veut dire, ouais, site là, il faut nous clair dans la tête pour nous entendre. Libral, on site côté pour transformer le net pour le venir un site de production de semences. Et me clair, paysans qui sont là pour planter, même gens ça a commencé à faire dans l'Artibonite, dans le forum, non? Départemental qui va le faire là, nous va chita avec coordonnateur, avec ministère, direction départementale là pour nous mêmes moi sur là, gain tracteur disponible, gain tout bagage de tracteur, semences qui sont besoin pour faire pour planter du semences, l'eau, tracteur et puis engrais. Eh ben bon, jeudi à nous commencer, c'est ça où les blocs de production, nous commencer dans la Tibonite. Faut nous, même paysans, faut nous arriver à mettre tête ensemble. Exactement. Je ne sais pas besoin qu'on a fait tête, c'est pas ça nous venons là. Ou bien des mi-carreaux, ou bon cas, ça a bien deux carreaux. Nous mettons tête nous ensemble, qu'on y a là, nous faisons coopérative, les tracteurs à bail, nous faisons coopérative à chaque monde qui met 500 hectares ensemble, nous faisons 10 tracteurs. Tracteur sur là, ou pas, laisse-moi sur le tableau, ou pas parler là, ou pas même écrire le papier encore, parce que le tracteur, c'est le gérer. Mon seul bagage, direction départementale là, a toujours dû ou même cap faire la bouage pour mon yo, le dans bloc de production, ou pas toujours entendre nous, pour le tracteur en panne, pour leurs besoins gaz et autres. Mais ça, sont l'autre programme à part pour faire campagne, les campagnes printemps, les campagnes d'hiver, nous avons débarqué tracteur dans le pays là, nous faisons la bourrage gratis pour ça, sont l'autre programme. Mais programme vous a fait durer, côté chaque 500 hectares, nous avons parlé de 10 tracteurs, sont l'autre programme lié, tracteurs sont dans mon tout temps. Avec ça, les Rotary Tiller, je ne pas les gens monter sous bagaille, moto qui le mon marche à pied encore, dans la gonde pour ça, moto qui le travailler. Nous voulons que tout le monde qui est en production du riz ait un tracteur pour faire travail normalement. Des petits tracteurs, 35 chevaux, avec Rotary Tiller, le petit chariot ADL qui va permettre pour nous faire tête du riz. C'est ça que nous régler là. Très bien. Nous tous dévotés. Pour ce zone, la force arrive plus loin toujours, mon cher. Pas de pied pour nous te camper.
Là, je suis là, dans le 16 Mlasus, tout le monde connaît ça, il y a 6 mois là, nous avons fait un paquet de travail, nous avons curé le barrage qui pour te permettre de l'eau aller dans le canal là pour user 2000 hectares qui sont sous le canal ça. Même là, aujourd'hui, je suis avec ordonnateur bureau Union européenne en Haïti, monsieur Charles Jean-Jacques qui est ensemble avec nous. Mais avec des représentants comme Irazel et Vob, qui eux-mêmes travaillent sur un consortium, c'est eux qui ont construit au propos de Jodia, c'est eux qui ont fait route Saint-Raphaël. Et le groupe ça, ils ne font pas qu'il y a de travail en termes de mise en valeur de grandes plaines agricoles en Afrique. Je voulais parler de Sénégal, de Mali, de Niger, de Cameroun, côté grand pile. Pays, côté c'est dur que vous avez fait, monsieur, ça a fait de grands travaux de mise en valeur. Maintenant, je dis, nous avons jugé bon l'homme qui nous a capacité, monsieur, pour nous visiter plein de Marie-Barouillère avec eux. Nous avons suivi les Vallée la Tibonite. Nous voulons parler de l'extension que nous avons pour nous faire sur Vallée la Tibonite. Je dis, nous sommes en pleine Dobec, qui sont pleines, qui ont même capacité pour le produire sur 7000 hectares, mais malheureusement, c'est 3000 hectares seulement qui viennent de l'eau. Nous venons avec eux, nous venons regarder avec Dieu par nous. D'ici dans 90 jours à 120 jours, pour nous donner un document complet, pour nous capables de travailler, pour nous voir comment nous faire avec Bayer. Nous, Jean nous dit aujourd'hui, nous avons des priorités claires pour tous les partenaires techniques et financiers. C'est des priorités qui sont très claires. Nous disons ça, nous voulons dans le pays. Nous travaillons pour mettre 120 000 hectares en valeur sur 4 ans qui sont nous. Mais pour le faire, il faut nous mettre de l'eau sur nous. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous prenons une décision. Pour nous marcher dans tout gros périmètre irrigué, il y a presque 17 périmètres irrigués à travers tout le pays. Mais hier et aujourd'hui, nous faisons trois. Et nous travaillons pour nous aller sur l'autre. Nous voulons parler de périmètre irrigué Savandiane. Nous voulons parler de zones pleines de la vallée des trois rivières dans le nord-ouest. Nous marchons dans tout net. J'en nous ai fait hier pour nous regarder ensemble avec M. Sayo comment pour partenaires financiers et techniques qui ont même gagné des fonds qu'il a. Qui est disponible pour financer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays. C'est des fonds qu'il a pour ça. Fonds ça nucléaire. Si n'a pas les deux financement, sécurité alimentaire et nutritionnelle, faut nous mettre le pays en production. Parce que si c'est manger, n'a pas acheté l'autre côté pour nous venir résoudre le problème. Sécurité alimentaire avec nutritionnelle dans le pays, nous ne pouvons jamais résoudre. Mais là, nous vous étions. Là, nous faisons route dans la zone agricole. Nous investissons dans l'agro-industrie dans le pays, ça permet aux paysans haïtiens, agriculteurs, entrepreneurs agricoles, d'être capables de travailler et nous capables de vendre, manger. Nous avons besoin dans la cantine scolaire, manger que nous avons besoin dans le marché public. Nous avons droit, nous avons capacité pour nous produire, manger ça pour nous vendre. C'est ça qui mène nous là. Nous avons dit partenaires financiers, partenaires techniques, nous demandons accompagnement à 100% parce que nous connaissons des fonds qui sont disponibles. Dans la 11e fête, là, surtout l'Union européenne, pour les affaires sécurité alimentaire et nutritionnelle, là, pour accompagner nous, pour nous capables de travailler sur le périmètre de Tobèque côté nous, là, pour nous permettre que nous usions 7000 hectares dans Tobèque pour nous mettre dans les affaires durées, pour nous produire durées, pour nous user 12000 hectares qui sont en pleine Maribao pour nous produire durées, pour nous user 18000 hectares d'extension que nous avons parlé sur la vallée de la Tibonite. Qui va permettre de nous mettre toute terre ça qui pour qu'on en valeur pour nous produire correctement dans le pays. Je dis à nous avec nous, président de la République, là, sénateur RV, nous avons délégué à nous toute la collectivité, Maïsra, qui l'a, et nous avons tout une délégation et française. Nous avons coordonnateur de l'Union européenne. Toute équipe là, l'idée c'est qui ça? C'est garder ensemble qui sont capables de définir un plan d'irrigation pour la commune ça. Pour permettre que les paysans soient capables de mettre cob dans la poche, mettre manger dans l'assiette. Cob dans la poche, mettre dans l'assiette. Jean-Président Remé dit là, parce que Tobèque, là nous gardons son plein agricole ou plein sérieux. Et le président voulait mettre tout terre en valeur. C'est la raison ça qui fait aujourd'hui nous débarquer dans la commune avec délégation ça. Et fume ça pour que capable faire étude ça. Et le président mande tout, il faut que le 90 jours le rapport ça
de façon brutale, capable de démarrer rapide. Et m'a profité du monde d'Obec, monde Chantal, monde dans le sud, que vous n'avez pas besoin de fatiguer le corps. Route là déjà redémarré et le président a garanti qu'il ne va pas camper dans la route. Soit ça, problème non. C'est un problème technique, c'est un absence de manquer matériel. Mais raison fort là, c'est que le président a besoin de finir à Camperin, parce que Camperin c'est la usine non. C'est une manifestation qui a fait. Le président a parlé avec nous, il a dit nous avons un petit temps pour que les finisse à Camperin et il en phase finale là pour nous dire semaine ça a fini. Faire confiance, faire président confiance. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer mot, nous ne pouvons pas changer parole. Route là, c'est route nous. Après 214 ans, mandat ça n'a pas fini sans que route Kafoué de Dubré là, pas fait. Et BO, passant par le mot entré Chantal, pas fait. Nous avons 26 km route. Et le président dit 26 km route après, elle redémarre là. Bon, il est déjà redémarré parce que le travail a redémarré déjà. Nous pouvons aller sans camper parce que le problème qui est gagné, c'est presque fini. Voilà, nous sommes suivis ensemble. Visite. Président PIA, Jovenel Moïse, dans le département sud, précisément dans la commune Tobek. Dans quatre visites, le président PIA a été rendu dans plusieurs sections communales, tant qu'on a Gauvin, Labatte et Dubreuil. Il a regardé côté qui a plusieurs systèmes d'irrigation, qui est paysan qu'on habite jeune d'eau pour arroser le jardin, comment il a exploité. C'est ça que fait, il est venu là avec le représentant de l'Union européenne, le ministre de l'Agriculture avec des tout, plusieurs partenaires nationaux et internationaux pour voir comment ils sont capables d'aider les paysans à rejoindre l'eau pour arroser le jardin. D'après sa président a expliqué, il y a 7000 hectares qui ont dû arroser dans Tobek, alors que c'est 3000 seulement qui arrivent à rejoindre l'eau. C'est ça que fait, l'objectif c'est voir comment ils sont capables d'améliorer ou soit aider les paysans à rejoindre l'eau. D'après ça, l'expliquer, dans le cap il y a le bataille en façon pour 7000 hectares qui sont en pleine Tobek, joindre de l'eau pour arroser. Ça qui pourra permettre aux agriculteurs de planter des zones, joindre un moyen pour capable produire plus bien. C'était Richard Tonjoudan depuis la commune Tobek pour la télévision nationale d'Haïti.